Le Journal de l'Afrique, bonsoir. Au sommaire ce soir, l'investiture sans illusion du président somalien. La tâche qu'il attend est immense. Chebab, économie à terre, sécheresse, il ne promet aucun miracle. Deuxième jour du procès des disparus du Novotel d'Abidjan. Les accusés étaient appelés à la barre. Ils rejettent toute responsabilité et mettent en cause la France. Nous serons sur place. Lumière sur la mauvaise gestion de plusieurs municipalités en Afrique du Sud. La mairie n'a pas payé la facture d'électricité. Résultat, les coupures de courant se multiplient. Reportage dans un instant. Mais d'abord, cet appel à témoins en RDC. Le gouvernement veut en savoir plus après la diffusion de 3 vidéos qui circulent sur Internet depuis quelques jours. Des images très violentes qui mettent en cause des soldats congolais dans la région du Kassai. Notre journaliste Chloé Lauvernier a pu authentifier l'une de ces vidéos. Bonsoir Chloé. Bonsoir. La victime sur la vidéo était une jeune femme. Et elle était soupçonnée d'appartenir à un groupe rebelle, c'est bien ça? Oui, alors dans la vidéo sur laquelle on a pu travailler, on voit une jeune fille qui est allongée sur le sol à côté d'une mare de sang. Elle est agonisante et elle porte 2 bandeaux rouges et on voit aussi des feuilles autour de sa tête. Donc il faut savoir que les bandeaux rouges, c'est l'emblème d'un groupe rebelle qui opère notamment dans la province du Kasaï central. C'est une milice qui s'appelle Kamuina Nsapu et qui s'attaque régulièrement aux symboles de l'État. Donc il y a régulièrement des affrontements entre ces miliciens et les militaires et les policiers. Et ces miliciens portent souvent des fétiches parce qu'ils pensent que ça peut les protéger des balles. Donc autour d'elle, dans la vidéo, on entend des hommes qui parlent, des militaires. Ils interrogent cette jeune femme. Et cette jeune femme répond qu'elle vient de Nganza, c'est une commune de Kananga, qui est donc la capitale du Kasaï central. Elle raconte qu'elle a été enrôlée de force dans un groupe et qu'elle a été obligée de boire une potion censée la rendre plus forte. Et elle dit qu'elle veut aller à l'hôpital, mais les militaires lui disent « tu vas mourir ». Donc cette vidéo, elle a été tournée le 27 janvier dernier à Kananga. Ce qui s'est passé, c'est que cette jeune fille s'est fait tirer dessus par des militaires alors qu'elle avançait vers eux. Elle était désarmée, selon 3 habitants avec qui j'ai pu parler. Et par ailleurs, 3 autres jeunes qui étaient derrière elle se sont également fait tirer dessus et ils sont aussi morts. Donc ce jour-là, il y a eu 4 morts, dont cette jeune fille. Vous avez contacté le gouvernement dans la foulée. Que vous a-t-il répondu ? Oui, alors j'ai pu parler avec le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Il n'a pas voulu s'exprimer sur cette vidéo en particulier. Il m'a dit que toutes les vidéos qui circulaient depuis le week-end dernier étaient des montages, des mises en scène, parce qu'il n'y a pas seulement cette vidéo qui a circulé, il y a aussi plein d'autres vidéos, enfin il y a eu 2 autres vidéos principalement qui ont circulé, dont une qui dure 7 minutes et qui a fait le tour du monde. Donc selon lui, il voulait pas en parler tout simplement. J'ai aussi pu parler avec un des porte-parole des forces armées de RDC, qui s'appelle Célestin Nkeleka. Lui m'a dit que des hauts magistrats militaires avaient été envoyés à Kananga aujourd'hui pour faire une enquête, pour faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la zone. Il a reconnu qu'il y avait des troubles dans cette partie du pays. Merci beaucoup Chloé Lauvernier. Votre article est à retrouver évidemment sur notre site france24.com, rubrique Les Observateurs. Voilà un dirigeant qui ne promet pas monts et merveilles. Mohamed Abdoulaye Mohamed a été investi président de Somalie. Il affirme que sa marge de manœuvre sera limitée compte tenu notamment de la menace Chebab. Nicolas Germain. La cérémonie d'investiture s'est tenue dans l'aéroport ultra sécurisé de Mogadiscio. Le nouveau président Mohamed Abdoulaye Mohamed était assis à côté de son homologue kényan. Les dirigeants djiboutiens et éthiopiens étaient aussi présents. Abdoulaye Mohamed a prévenu les Somaliens qu'il faudrait sans doute 2 décennies pour régler les immenses problèmes de ce pays ravagé par la guerre. Il a également tendu la main aux djihadistes. Nous disons à tous ceux qui sont membres d'Al-Qaïda ou du groupe État islamique que le temps de la Somalie divisée est terminé. Saisissez cette opportunité. Rejoignez-nous pour développer la Somalie. Rejoignez vos frères et vos sœurs. Le président kényan a évoqué les défis qui attendent le nouveau dirigeant somalien. Nous sommes dans une région fragile, touchée par une grave sécheresse.
Nous travaillons ensemble pour amener la stabilité dans la région qui est menacée par des terroristes venus de l'étranger. Le président somalien a promis de s'attaquer à la corruption et de reconstruire l'armée, car pour l'instant, la sécurité du pays est surtout assurée par les 20 000 soldats de l'Union africaine. Ils sont régulièrement défiés par les Chebabs. La dernière attaque des djihadistes a eu lieu dimanche. Elle a fait 39 morts dans un marché bondé de la capitale. Une reprise, mais une reprise timide en Guinée. Les écoles et les universités ont repris du service ce mercredi après 3 semaines de grève des enseignants. Le corps électoral qui reste toutefois prudent quant à l'accord signé lundi. À Conakry, le reportage de Sarah Sako, notre correspondante. Dans cet établissement privé du quartier de Dixine, les élèves ont repris nombreux le chemin de l'école avec plus ou moins d'enthousiasme. Le complexe scolaire avait été fermé par les autorités il y a 3 semaines en marge de la grève des enseignants par mesure de sécurité. La reprise est un soulagement pour les parents. Les enfants rester à la maison, ce n'est pas une bonne solution. Ça ne peut pas nous aider à leur éducation. Donc il faut l'école. Je suis contente de voir les gens et de voir mes amis. Les familles ne sont pas les seules à être soulagées. Marie-Thérèse, qui travaille dans la cour de l'école, garde un mauvais souvenir de ces 3 semaines de chômage. Ah oui, avec nos activités là, tout dépend de ça. Hein? Et on a notre famille. Et si ça se bloque pour combien de jours, ça ne va pas droit au cœur. Les enseignants, quant à eux, vont devoir rattraper le retard accusé sur le programme. Non, pour la reprise, on est obligé d'intensifier les cours et de faire aussi des cours supplémentaires pour pouvoir rattraper le temps perdu. Vous savez, les enfants, quand vous habitez à eux, ce n'est pas facile de s'en séparer. Vraiment, je suis très content d'être en classe. L'enthousiasme était moindre dans certains établissements, comme dans cette école publique où la grève a été très suivie. Les violences meurtrières qui ont émaillé les manifestations lundi et mardi ont échaudé certains. C'est la peur parce que les parents ne peuvent pas laisser leurs enfants sortir. On a vu les cas de décès hier. C'est le même cas des enseignants aussi. Les anciens qui habitent loin ne peuvent pas prendre le risque de quitter chez eux jusqu'à venir ici. Conakry a retrouvé une activité quasi normale ce mercredi, mais certains quartiers de banlieue restaient sous tension. On continue de suivre le procès du nouveau hôtel d'Abidjan. Deuxième jour d'audience aujourd'hui. Sur le banc des accusés, 10 personnes. Elles auraient mené le raid contre l'hôtel en 2011 et tué son directeur et 3 hommes d'affaires. Leurs avocats ont exposé tout à l'heure leur ligne de défense. On retrouve en Côte d'Ivoire Anna Sylvestre Trainer et Arnaud Froger. Il n'y a qu'une chose sur laquelle pour l'heure tous s'accordent. Après avoir été enlevés au Novotel, les 4 victimes ont bien été emmenées au palais présidentiel. Et c'est bien là qu'ils ont été tués. Mais par qui, demande le président de la cour. Je ne sais pas, assure le colonel Modi, qui était à l'époque le chef des opérations de la garde républicaine de Laurent Gbagbo. Il l'assure, ces 4 hommes n'ont jamais été torturés. Lui se dit innocent et accuse les bombardements des hélicoptères des Nations Unies et de la France. Écoutez l'un de ses avocats. Ils reconnaissent que ces personnes ont été envoyées dans l'enceinte de la présidence, ça c'est vrai. Le problème c'est qu'elles n'ont pas eu le temps de les interroger puisque les bombardements français ont commencé immédiatement. Et à l'issue des bombardements français qui ont duré plusieurs heures, on a retrouvé le corps sans vie de ces personnes-là. Donc il y a de fortes chances, comme je le dis, que ce soit les bombardements français qui aient tué les otages français. Une thèse révisionniste, répondent les avocats des familles des victimes. Selon eux, Stéphane, Franz Diripel, Yves Lamblin, Raoul Adeossi et Chélia Pandian ont bien été torturés et tués par des éléments de la garde républicaine de l'ancien président Laurent Gbagbo. Où sont les corps? Où les avez-vous mis? Ont-ils questionné à plusieurs reprises? Des questions restées sans réponse. Au Congo-Brazzaville, le gouvernement promet la transparence après la mort de Marcel Sourou. L'ancien chef du renseignement est décédé vendredi en prison. Si sa famille en fait la demande, une autopsie sera réalisée. Autre point délicat, l'arrestation de l'avocat de Marcel Sourou. Son interpellation a suscité un tollé dans la profession, à tel point que le barreau de Brazzaville a suspendu ses activités. Le gouvernement appelle à l'apaisement. On écoute. J'invite les avocats à faire preuve de sagesse et de cultiver l'apaisement. Aujourd'hui, je souhaite, le gouvernement souhaite, que le bâtonnier Kenom et quelques confrères qui seraient désignés par le collectif de ses avocats, le barreau de Brazzaville, prennent attache avec les enquêteurs et, bien entendu, accèdent
aux prochaines auditions de Maître Essou. L'Afrique du Sud reste membre, en tout cas pour l'instant, de la Cour pénale internationale, et bien malgré elle, car le pays a bien l'intention de se retirer. Mais la justice fait de la résistance. Pour elle, un retrait de la CPI est contraire à la Constitution, un coup dur pour le gouvernement qui n'a pas réagi. On reste en Afrique du Sud avec ce blackout dans plusieurs villes, des coupures de courant pour des centaines de milliers d'habitants, mais aussi pour les entreprises. La faute aux municipalités, elles n'ont pas payé leurs factures depuis bien longtemps. Caroline Dumay et Stéphane Karsten se sont rendus à Reitz. La bourgade agricole de Reitz passerait inaperçue si elle n'était pas l'une des villes les plus endettées du pays. La municipalité doit plus de 10 millions d'euros à la société nationale Eskom. Elle n'a pas payé ses factures d'électricité depuis des années. À la mairie, les responsables de l'ANC au pouvoir ont refusé de nous parler. Mais les conseillers municipaux de l'opposition dénoncent la mauvaise gouvernance. Les consommateurs ont payé leurs factures, l'argent a été utilisé autrement. Et en dépit du fait que la ville doive autant d'argent, le maire roule dans une BMW flambant neuve de plus de 50 000 euros. Les milieux d'affaires craignent le pire. Dans cet abattoir, on reçoit plus de 150 000 poulets par jour. Sans électricité, c'est toute l'usine qui s'arrête et des milliers d'emplois qui sont menacés. On a installé des générateurs pour assurer la sécurité des chambres froides. Face aux risques encourus, l'investissement est massif. Ça représente beaucoup d'argent. Dans les deux dernières années, on a investi plus d'un million d'euros en générateurs au cas où. Mais ces générateurs ne sont pas une solution de long terme. La coopérative de la ville a donc commencé à négocier avec la municipalité. Bien sûr que je ne trouve pas que ça soit normal. Si je paye mes factures, je devrais avoir accès à l'électricité. Mais ça ne sert à rien de nous battre. C'est toute la communauté ici qui est affectée. Donc, mieux vaut trouver une solution que de se mettre à se bagarrer. Les producteurs de poulets espèrent pouvoir payer directement leurs factures à Eskom, sans passer par la ville. Mais cette solution ne pourra pas être utilisée par tous les résidents qui seront coupés tous les week-ends, matin et soir. Je ne peux pas utiliser la machine pour les cartes de crédit. De toute façon, c'est tout noir ici, il n'y a aucune lumière. Et puis à la maison, il n'y a pas d'eau parce que la pompe est endommagée. La viande, elle pourrit dans le frigo s'il y a des coupures. À Reitz, il fait très chaud en été et très froid en hiver. La mairie a jusqu'au mois d'avril pour régler ses factures. Et c'est tout pour ce soir. Je vous retrouve demain. Bonne soirée.